allons voir pourquoi nos relations sont entremêlées de conflits. Aujourd'hui ça va, demain ça va plus. Il y a quelque chose qui a été dit, qui a blessé, et tout change. Donc nos émotions sont à fleur de peau. Donc la relation que nous avons, elle n'est pas gratuite finalement. Nous attendons quelque chose. Nous disons que l'autre, il est ingrat. Mais l'ingratitude vient de celui qui... Il est comme ça. C'est un fait. Mais toi, qui vois cette ingratitude et qui te dis qu'il devrait être autrement, ça veut dire que toi, tu n'es pas d'accord avec ce que l'autre est. Tu attends que l'autre soit différent. Tu attends d'être contenté de l'attitude que l'autre aura envers toi. Donc, ce contentement implique un amour intéressé. Tu n'es pas un amour inconditionnel à ce moment-là. Ton amour demande que les choses soient à ton goût. Et si tu n'attends rien, si tu ne veux rien, si tu aimes gratuitement, ça n'a pas d'importance. Qu'il puisse être comme ça ou comme si, ça n'a plus d'importance. Puisque ce que tu fais, c'est gratuit, sans attente. Et c'est comme ça que peut-être le monde pourrait être mieux, dans le sens où plus personne ne veut que les autres soient au goût de mes attentes. En fait, on passe toute notre vie à attendre quelque chose. Mais on ne se demande pas pourquoi. On ne se demande pas pourquoi nous sommes dans cette condition, attendre. Attendre quoi? Attendre que l'on soit aimé? Attendre que l'on soit reconnu? Que l'on soit respecté pour l'importance que l'on se donne, l'image que l'on se donne, la notoriété que l'on se donne, être respecté? Mais en fait, là, on n'est plus gratuit. Ce n'est plus une relation que tu auras gratuitement. C'est une relation où il y a des choses qui vont se passer à condition que... Donc, si la relation elle est comme ça, et il semblerait que c'est comme ça dans le monde, la plupart d'entre nous, nous sommes en conflit. Nous attendons que l'autre agisse de telle manière qu'il soit agréable à mon goût. Mais autrement, qu'est-ce que je fais? Ben, je m'en écarte, je l'éloigne, et puis je continue, moi, dans ma petite bulle, où je pense que les choses devraient être ainsi. Et en fait, on se sépare. On n'est plus en contact. Il n'y a plus de contact. Parce que tu as coupé le contact. Le contact, c'est... Justement, c'est cet amour inconditionnel qui créera le contact et qui pourrait peut-être amener les choses à être autrement. Mais il semblerait que ce qui se passe dans ce monde, c'est que nous ne savons pas faire cela. Nous savons comment attendre, comment faire en sorte que les choses soient à notre goût, selon mes intérêts. Selon ma petite vie confortable, ma zone de confort que je chéris. Et bien sûr, quand il y a toute cette activité, eh bien, il y a rivalité, comparaison, jugement, critique. Et ça fait que nous vivons dans un monde où
on se regarde les uns les autres selon l'image que l'autre prône et selon l'image que moi je prône, et je cherche l'image qui correspond à la mienne. Mais on ne se rencontre pas là. On rencontre l'image, on rencontre l'étiquette. Monsieur un tel, monsieur le président, monsieur le directeur, mon père, ma mère. C'est ça qu'on rencontre. Mais on ne rencontre pas la réalité de ce qui existe pour de vrai. Parce que ce qui existe pour de vrai n'a pas besoin d'image pour exister. N'a pas besoin de se faire valoir pour exister. Se faire valoir, ça s'avère être de l'arrogance envers ce qui se passe. On veut changer les choses. On veut que les choses soient à notre goût. Donc, nos réactions seront celles qui vont faire en sorte que tout se passe comme j'ai entendu, comme j'ai appris, comme j'ai conclu. Et la plupart d'entre nous, on vit dans cet état où on attend. On attend que les choses soient à notre goût. On attend d'être aimé. Et on oublie que, en fait, en attendant d'être aimé, eh bien, on n'est pas celui qui aime, on est celui qui attend. On n'aime pas, on attend. Oh, ta nature, ta vraie nature, n'est pas d'attendre. Ta vraie nature, c'est d'être joyeux. Et cette joie, c'est d'aimer. Cette joie, c'est de t'ouvrir et d'aller vers l'autre, peu importe s'il est à ton goût ou pas. Mais c'est toujours d'aller vers l'autre. Apporter un peu de réconfort dans un monde misérable où tout le monde attend. Ça veut dire que si tout le monde fait ça, ben, il n'y a plus personne qui attend. Puisque tout le monde a ce qu'il a besoin, c'est-à-dire de l'attention, de l'amour, de l'entraide, de la compassion. Ça fait que seule l'attente crée le problème. Celui qui attend, c'est l'individu qui s'est enfermé dans sa bulle, où il est isolé. Et cet isolement crée la peur d'être seul. Donc, il veut trouver à l'extérieur de sa peau quelque chose qui va l'égayer. Donc, il se l'accapare de ces choses-là. Quelqu'un qui soit mon ami. Je cherche mon ami. Je cherche mon âme sœur. Je cherche quelqu'un qui peut me sauver de ma solitude. Que je puisse être enfin entouré pour être réconforté. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde. Nous cherchons, nous attendons, nous voulons. Nous sommes dans l'exigence que les choses soient au goût de ce qu'on a appris. Et on a séparé tout ça entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On a comparé et on exige que les choses soient ainsi. Mais elles ne sont pas ainsi. Tu peux le voir toi-même. Tu peux rencontrer tous les êtres sur la planète Terre et tu peux voir que personne ne sera à ton goût à 100%. Tout le monde aura quelque chose qui va te déplaire à un moment ou à un autre. Parce que l'autre, là-bas, c'est toi-même. Tu n'es pas stable, personne, disons pour la plupart, puisse être stable, intègre, lucide, ne pas attendre,
authentique. À ce moment-là, tu es libéré de l'attente. Tu n'as plus besoin d'être celui qui attend, celui qui veut, celui qui exige. Parce que, en fait, quand tu fais ça, tu t'enfermes dans une bulle en te croyant être quelqu'un de spécial, d'important. Tu es au-dessus de la mêlée, là. Tu n'es plus dans la réalité. Tu es dans le rêve que tu te donnes d'avoir. Et en fait, tu vis la vie avec beaucoup de problèmes, de tracasseries, pour pouvoir trouver justement ce que tu attends. Et ce que tu attends ne vient pas comme ça. Il te faut te bagarrer pour avoir le désir de ce que tu attends. Il y a des embûches. Et tout le temps, tu dois te bagarrer. Il y a donc des déceptions, de la frustration. Et tout ça fait partie de celui qui cherche, de celui qui veut, de celui qui attend, attendre que les choses iront mieux. Mais elles n'iront jamais mieux. Tout ce que tu vas trouver, c'est ton désir que tu veux, ton rêve. Mais en fait, la réalité, tu ne la connaîtras pas. Parce que la réalité, c'est justement le fait qu'il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien. Parce que c'est une illusion que tu te donnes de poursuivre. Et quand tu poursuis cette illusion, tu la rencontres, certes, mais la réalité n'est pas là. La réalité, c'est quand tu abandonnes cette illusion et que tu vis avec ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est ce qui se passe autour de nous. Cette vie où les choses sont martyrisées par le conditionnement. Donc tout le monde essaye de faire semblant d'être bien, mais au fond, on veut s'accaparer de l'énergie de l'autre sans lui dire. C'est presque de manière hypocrite qu'on dit « je t'aime ». Mais en fait, on veut de l'autre qui puisse nous donner un peu de répit, de réconfort, de bien-être. C'est pour ça que toute cette activité de vouloir dans le monde a créé le chaos dans le monde. Parce que tout ça, ça fait de la rivalité. Et au bout d'un moment, ben bien sûr, tout éclate, il y a la guerre. Il y a toutes ces choses qui se passent que nous ne voulons pas. Mais parce que nous sommes dans l'attente, cela arrive. Parce que nous n'avons rien fait pour faire en sorte que les choses changent. Nous voulons seulement que ça change pour que je sois mieux. Mais le changement ne vient pas de cette manière. Parce que ce que tu veux, c'est éphémère. Ce que tu auras sera éphémère. Mais quand tu aimes, c'est quelque chose de vrai qui se passe. Et de cette manière, tu crées une ambiance où l'ordre s'installe dans les relations. Mais si tu veux, tu vas faire le contraire. Tu vas faire en sorte qu'il y a des gens qui ne soient pas contents parce qu'ils doivent être soumis à ton rêve. Donc ils seront esclaves de ce que tu attends. Et bien sûr, les gens ne veulent pas vivre ainsi. Au fond de soi, on connaît que tout ça, c'est pas la vie qu'on veut. Chacun d'entre nous est là pour être libre. Et dans cette liberté, alors, on peut être cet amour inconditionnel. Aller vers l'autre et pas attendre que l'autre vienne vers soi.
parce que ça ne va pas se produire. Si l'autre vient vers toi, c'est par intérêt. Si toi, tu ne veux rien, ça veut dire que tu n'es pas celui qui est en proie. Parce que si tu veux, tu es en proie déjà à celui qui peut te donner. Et tu deviens dépendant de celui qui va te donner. Alors que tu as déjà en toi tout ce dont tu as besoin, tout ce dont le monde a besoin, il est en toi. Donc il suffit d'être gratuit, d'être ce que tu es et de faire valoir cette ambiance où les gens, ils ont envie de s'aimer.